Voilà les amis, bonjour, buongiorno a tutti. Ciao, ciao, ciao. Bonjour. Salut tout Bonjour. le monde. On est là avec Vincent des Salut tout le clubs monde. du Palavas. On est là à faire une petite live pour vous dire beaucoup de choses, mais la chose la plus importante est que le week-end prochain, voilà, on est à l'inauguration officielle de la télé shop avec due special guests mondiali, Philippe Gingembre e Richard Poisson. Una la mattina, una la premedì, e a partire da 19 ore va a avere un gran buffet avec un concert live avec JP Dana di Béziers. Donc, tout le monde le connaît dal mondo della maquette, della figurina. Donc, il va a noi tenere in armonia la soirée. Voilà, avec Vincent, on va vous présenter la gamme Royal Model. Et Vincent, qui parle mieux français que moi, il va bien, bien, bien vous expliquer. OK? Bonjour à tous, donc deuxième vidéo pour ma part depuis le magasin de Colvadéen, magasin de Danilo et Magali. Alors, Danilo vient de rentrer la gamme Royal Model, donc il y a quelques exemplaires du catalogue, mais surtout ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a ici, sur les murs. Il a rentré un bel échantillonnage de ce que représente la gamme Royal Model. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la marque Royal Model, qui existe depuis déjà plusieurs années maintenant, c'est une marque qui au départ est spécialisée dans tout ce qui est kit de super détaillage, photos découpes, résines, pièces pour compléter les maquettes existantes. Alors on peut prendre un sujet très classique. Le Rauram Schlepper Ostfront, le RSO, le STER RSO, le tracteur chenier de la Wehrmacht. Ben, voilà, on trouve le kit Royal Model avec toute la photo découpe, un intérieur moteur qui permet de représenter le capot ouvert. Donc vraiment pour faire un modèle extrêmement détaillé, très riche en détails. Hein. Vraiment une très très belle pièce. Et donc la gamme Royal Model, c'est des kits de super détaillage spéciaux pour des maquettes, pour modèles bien précis. Mais c'est également des composants plus génériques avec des accessoires pour vos dioramas. Ça peut être de l'outillage, des bouteilles, des fûts. Ça peut être également des choses un peu plus précises. Vous avez besoin de mains, de bottes. Des accessoires en photo découpe, des gabarits pour dessiner. Vous allez trouver également des affiches. Vous allez trouver, alors ça c'est sympa, je pense à mon pote Olivier du club de Palavas que je salue au passage. Ça, il en a utilisé pour son Schnellboot. C'est génial, c'est en fait, c'est quand vous voulez détailler tout ce qui est volant, robinet, etc. C'est des pièces génériques. Donc ça c'est parfait pour super détailler vos modèles. Dans la gamme Royal Model, on a aussi des dioramas, des éléments de diorama de très très belles pièces, donc pour faire des décors vraiment de très belles réalisations, très détaillées. Et toute une large gamme aussi de figurines, comme on peut voir là, très très bien sculptées, dans tout, pour, on va dire pour toutes les forces armées. On a aussi des sujets civils, et même on est très dans le ton aujourd'hui, puisque les zombies sont encore et toujours à la mode. Hein. Donc, si vous souhaitez représenter des scènes inspirées de votre série préférée sur les zombies ou sur le dernier film sur les zombies, vous avez également les figurines avec la thématique zombie. Donc, on est vraiment sur une gamme où on trouve tout ce qu'il faut pour faire des dioramas. Ça peut être des dioramas anciens, ça peut être de la Deuxième Guerre mondiale, ça peut être aussi du présent, parce qu'on trouve des accessoires très sympas, comme des caddies de supermarché, des canettes modernes, des bouteilles en plastique. Voilà, donc vraiment, on a plein d'accessoires. C'est disponible à la boutique Col 21 à Montpellier. N'hésitez pas, pour faire vos dioramas, c'est l'idéal. Après, il y a un autre point qu'il faut savoir, il y a le catalogue. Si ce qui est ici, vous ne trouvez pas votre bonheur déjà dans ce qui est ici, n'hésitez pas à demander. Danilo passera commande directement chez Royal Model. Et donc, si on regarde dans le décor, c'est bien fait. On trouve une belle gamme de ruines.
des composantes accessoires de Diorama, tout type, tous les kits de super détaillage dont je vous ai parlé déjà. Donc, vraiment de quoi faire des pièces magnifiques, très très riches en détails. On va avoir des pièces plus génériques après. Vous avez des exemples de mise en scène hein, sur des dioramas, donc une très belle réalisation. Et les figurines, une très belle gamme aussi de figurines qui est proposée. Voilà. Donc tout ça disponible chez Col21. N'hésitez pas, venez à Col21, vous trouverez peut-être, vous trouverez certainement votre bonheur ici, dans les pièces qui sont là. Et si d'aventure il n'y a pas, vous n'hésitez pas, vous passez commande. Ok, superbe, superbe. Merci Vincent pour ta... Et parlez mieux vos français que moi, hein, en plus. Je ne sais pas comment tu fais, mais bon, c'est vraiment chouette. Ok, alors, ma, il y a encore des surprises. Vuoi dire quelque chose pour la soirée du 26 bah, techniquement, pour le 26, la journée du 26, moi je serai présent, comme d'autres membres du club de l'AMM, on sera présent pour la journée du 26. À ton avis, ça va passer bien? Ça va être génial. Ça va être, c'est un événement de passionnés, par les passionnés, pour les passionnés. Donc, ça va être une super fête. Ça va être une grand messe de maquettes, dans une ambiance bon enfant, entre copains. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on aime en fait. Super, super. Tu connais déjà Philippe Gingembre et Richard Poisson? Tu les connais déjà? J'ai pas encore l'occasion de les rencontrer. Donc, c'est la première fois que je vais les rencontrer et les voir à l'œuvre également. Oui. C'est aussi très intéressant. Tu as déjà senti parler de Charles et Philippe, j'imagine. Alors, sur le coin, c'est plus des figurinistes quand même là-bas. Ouais. Donc, voilà. Bon, ça, je suis plus porté sur le blindé que sur la figurine, mais ça va être intéressant aussi d'échanger avec eux, de les voir travailler, de voir leur méthode. Donc, ça va vraiment être quelque chose de très intéressant. Ok. Allora, on va dalla sala parce que tu hai des nuove sorprese avec. Alors oui, on a prévu donc de faire un unboxing d'une autre boîte disponible chez Col21. Et alors pour ce second unboxing que je vais vous présenter. Ah, j'approfite pour faire voir en direct aussi la statuette de la Petite Cruse. On remercie encore le copain Frank pour sta beauté qu'elle a fait. 30 cm. Alors, j'approfite pour vous dire que il va sortir aussi il 7,5 cm che Philippe il va présenter la semaine prochaine. Ok, et c'est une figurine qui, bien sûr, va être vendue, mais il 50% des bénéfices, il va pour une SPA pour toutes les chaînes abandonnées. Donc, on va faire cette chose pour toutes les petites chaînes qui n'ont pas de... Allora, on va voire Vincent. Voilà. On va tourner. C'est bon, on a un bon visuel? Ouais. Super. Alors aujourd'hui, je fais un unboxing un peu cocorico d'un matériel français. Un matériel français très intéressant. Moi, j'aime bien parce que il a une forme vraiment unique, c'est un mélange de différents styles et vraiment très sympa. Et ça faisait longtemps qu'on l'attendait en injecté. Alors, c'est pas un tout dernier, cette boîte, elle ne date pas d'hier hein, en termes de sortie, mais elle est très très récente et elle est disponible chez Col21. Il s'agit de l'ARL 44. Alors, l'ARL 44, qui est un char lourd, hein, qu'est-ce que c'est exactement cette machine? Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup de faits, il faut le savoir. C'est un matériel qui n'a pas servi longtemps. C'était un matériel qu'on disait alors de transition et il n'y en a eu que 60 au total en service. Alors, pour remettre le contexte, parce que certains spécialistes parmi vous ont peut-être remarqué les chenilles de la RL 44. On dirait, c'est bizarre, on dirait des chenilles de B1 bis. Ben, oui, exactement. C'est parce que justement, la RL 44 emprunte un certain nombre de composants
à notre bon vieux Renault BR10. Donc la RL44, c'est quoi? On se remet dans le contexte. En juin 1940, signature de l'armistice France-Allemagne, instauration du régime de Vichy, mais dans le même temps, instauration, mise en place de ce qu'on appelle un service clandestin qui s'appelait le camouflage du camouflage, service de camouflage du matériel, dont l'objectif était de passer outre les accords faits avec l'occupant et de développer des pièces du matériel militaire en sous-marin, discrètement, sous couvert de la découverte de matériel civil. Alors, pendant toute la période de l'occupation, on va discrètement développer un train chenillé, des pièces, des composants. Et puis, bon, 1942, occupation de la zone libre, mais enfin, 1944, août 1944, libération de Paris, mise en place du gouvernement provisoire de la libération. Et on dit, ben, il faut tout de suite, il faut relancer l'industrie d'armement française. On prend part à la libération du pays, on prend part à la libération de l'Europe, activement, mais il faut aussi qu'on puisse y prendre part avec notre propre matériel, d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va ressortir les études faites par le service de camouflage du matériel, ce qu'ils avaient étudié, le but étant de sortir un matériel qu'on va appeler matériel de transition. Parce qu'on sait très bien qu'on a une industrie qui est très fatiguée, qui est dans un sale état à ce moment-là, entre les bombardements, les réquisitions, des ingénieurs qui n'ont pas pu, pour ceux qui étaient en France en tout cas, en France aujourd'hui, qui n'ont pas pu étudier ce qui se faisait à l'étranger. Donc on va essayer de faire du neuf avec du vieux. Donc on étudie un matériel de transition. Dans un premier temps, on cherche à faire d'abord un 30 tonnes, un char de 30 tonnes avec un canon de 75 mm. Donc on commence à étudier ça bon an mal an. Et bon, on se rend très vite compte que ben, un char de 30 tonnes en 1944 avec un canon de 75, ça existe déjà, ça s'appelle un Sherman. Et les Sherman ont maille à partir avec les matériels allemands. Donc on dit non, c'est pas la peine. Pourquoi développer un char de 30 tonnes armé d'un canon de 75 quand on a le Sherman sous le coude en très grande quantité et qui est finalement trop léger comparativement au matériel de dernière génération allemand comme les Panthers. Donc on va continuer à travailler sur ce matériel et on va le développer. Donc, on va partir sur un matériel plus lourd. Donc, on va augmenter le blindage. On va passer au blindage. On va passer sur un blindage incliné de 42 degrés, un blindage de 120 mm, ce qui fait que ça revient à 170 mm de blindage en cas de tir direct. Donc, c'est plutôt un bon gros blindage. Le tonnage va également augmenter, hein, puisque on va passer d'un char de 30 tonnes, on passe à un char de 50 tonnes. Donc on commence à étudier tout ça. Je vous donne le contexte, on est en 1944 quand même, hein, donc on n'est pas forcément dans la meilleure des conditions pour se lancer dans la production d'un char de ce poids, d'un char lourd, surtout que le projet est ambitieux dans les quantités qu'on doit fabriquer. On développe ce matériel, on arrive à constituer un prototype en bois à la fin de la guerre. Hein, il faut s'imaginer qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qu'on a pu sortir, c'est une maquette en bois de la RL44. Donc un modèle pas encore arrêté en plus dans sa finalité. Mais on décide quand même qu'il faut quand même continuer, il faut aller jusqu'au bout du projet, parce qu'il faut relancer, remotiver l'industrie nationale. Donc du coup, on dit on va au moins fabriquer 60 chars, on va au moins fabriquer 60 unités de cette ARL-44. Alors pour faire simple, pour faire court, l'engin est fabriqué et développé dans différents ateliers. La tourelle, elle vient de chez Schneider. Alors, Schneider, à cette époque-là, n'a pas la capacité de mouler d'une pièce la tourelle. Donc, Schneider va fabriquer une tourelle soudée, mécano-soudée. Par contre, la partie avant de la tourelle, elle est moulée. C'est quelque chose de très intéressant et on y reviendra après. On y installe, au départ, on voulait y installer un canon de 76 mm, mais encore une fois, 76 mm, trop léger. Donc, on récupère un canon anti-aérien de 90 mm d'origine navale, canon français, qu'on installe dans cette tourelle. L'intérêt, c'est qu'on a un tube de 90 mm tirant un obus qui fait presque 11 kg à une vitesse initiale de 1000 mètres par seconde. Donc en termes de pouvoir perforant, on a quelque chose de très très agressif. On a vraiment une très bonne pièce. Le châssis, ben, le châssis, comme j'ai dit tout à l'heure, on reprend des éléments au B1 bis. Parce qu'on n'avait pas pu développer d'autres solutions à ce moment-là, donc on prend ce qu'on a. Donc on utilise
des suspensions à petit, une suspension à ressort verticaux, avec des bogies, des petites roulettes en bas. C'était le système du B1bis. L'inconvénient de ce genre de mécanisme, c'est la vitesse. 30 km/h de pointe. Donc on va avoir un char lourd, plutôt lent. Mais bon, passons. Et puis, le moteur. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous voulez propulser une bête de 50 tonnes, même à 30 km/h, il faut un minimum de puissance. L'ennui, c'est qu'à l'époque, encore une fois, les fabricants comme Porard ou Talbot n'ont pas les moteurs assez puissants au catalogue, n'ont pas la capacité de fournir des moteurs assez puissants pour motoriser ce char. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire la même chose qu'on avait fait à la fin de la Première Guerre mondiale, quand on a construit les FCM-2C, le char de rupture FCM-2C. On va aller chercher en Allemagne des moteurs de prise. Donc, on est allé en Allemagne, on a récupéré directement en usine des moteurs. Alors, ce sont des Maybach HL230, donc typiquement, c'est les mêmes, pratiquement les mêmes moteurs qui équipaient les chars lourds allemands. On va récupérer le nombre de moteurs qu'il faut. Je crois d'ailleurs que c'est plus ou moins à la barbe, au nez et à la barbe des Américains. On récupère ces moteurs et on les installe dans notre char. Le premier char, les premiers chars n'arriveront, ne sortiront réellement. Le premier proto opérationnel sera mis en service à partir de 1947, mais la production en série et la mise en série réelle ne commencera pas avant la fin des années de 1950, début 1951. C'est un matériel qui a été déployé uniquement, on parle que de 60 machines. Hein. 60 machines, donc il y en a eu. Ils n'ont été livrés qu'au 503e régiment de chars de combat. Petite anecdote, ils remplaçaient des chars Panther. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en 1950, le 503e régiment de chars de combat est équipé exclusivement de chars Panther de prise qui étaient en réutilisation. Donc on enlève des Panthers pour les remplacer par un char français de transition équipé d'un moteur allemand. Dans le contexte, voilà. Bon. Quelques petits soucis de mise au point, il faut renforcer la suspension, on doit améliorer certaines choses, ce qui fait que bon, la vie opérationnelle de char, elle ne va pas être énorme, parce qu'en fait, il sera très vite réformé, pour la simple et bonne raison que le coût de modernisation et de mise au point de ce matériel est trop important, on parle de 60 véhicules, et en fait, il sera réformé dès 1953. Une des raisons aussi à cela, c'est qu'à cette époque-là, la France touche ses premiers M47 Patton, char américain, fiable, équipé d'une boîte automatique et armé d'un canon de 90 mm. Donc, on reçoit ces chars-là, donc on retire progressivement du service les ARL 44, qui au final n'auront servi, on va dire, de janvier 51 à courant 53. Par contre, la seule apparition publique connue de ce matériel, ce sera 10 véhicules qui défileront le 14 juillet 1951. C'est la seule fois où ces véhicules feront une apparition publique, grand public, sur les Champs-Élysées. Ce qui est d'ailleurs illustré, très bien illustré, sur le box-art de la boîte de la maquette. On va l'ouvrir. Et oui, maintenant on va l'ouvrir. Mais c'est important de remettre dans le contexte de ce matériel. Et pour la petite information, ces matériels, aujourd'hui, il n'en existe plus que 5 encore vivants qui ont survécu. Il y en a un qui est exposé, comme on dit souvent, en pot de fleurs, à Mourmelon. Un est exposé en très bon état, conservé au musée des blindés de Saumur. Et les trois autres sont conservés à l'abri, mais bon, ils ne sont pas restaurés. Ce sont des épaves qui ont été récupérées sur champ de tir. Heureusement, la plupart des chars ont fini sur champ de tir. Alors, on va ouvrir cette boîte. Voyons, voyons. Très jolie boîte, illustrée avec l'arc de triomphe dessus. Donc, c'est vraiment une boîte très, très sympa. Et on voit d'ailleurs sur le côté de la boîte, des photos de ce 14 juillet, deux photos tirées du 14 juillet 1951. Donc là, on voit le char avec sa livrée de service en vert zéro livre. Et ensuite, techniquement, le contenu de la boîte. Nous avons une très jolie caisse moulée monobloc, très très bien moulée, très très bien faite. On a un sachet de chenilles. Alors ça, c'est un des points forts de ce kit. Ce sont des chenilles articulées en cliquetable. Donc ça, c'est super parce que pour représenter justement l'ondulation des chenilles sur le train de roulement, même si on est sur un train de roulement assez basique comme celui du B1bis, c'est quand même beaucoup mieux. Et ne serait-ce aussi pour le réalisme de la mise en peinture.
Voilà, au plus près. Hein. Donc, il y a tout plein d'outils pour vous assembler. Au niveau des grappes, alors, petit point de détail, c'est une maquette multimatériaux. On a du plastique, mais on va y trouver une jolie planche de photodécoupe pour les grilles de ventilation. Et également un magnifique canon en aluminium tourné. Très réaliste. Alors, vous avez l'option de le faire en plastique ou d'utiliser le tube en aluminium. Je vous recommande plutôt d'utiliser le tube en aluminium. Le frein de bouche se rapporte de suite en plastique et est très bien moulé. Au niveau des pièces, elles sont également très bien moulées et très détaillées. Un point important que je tiens à signaler, je vous ai parlé tout à l'heure de la tourelle qui était soudée. On la voit ici, hein, tourelle avec ses cordons de soudure. Et il manque la face avant. Et oui, parce que la face avant a été moulée séparément par le fabricant. Regardez-moi ça. Elle est moulée à côté, comme à l'origine. C'est-à-dire qu'on a la pièce moulée d'origine. Donc on a tous les détails de la pièce, c'est vraiment très très bien représenté. Au niveau du train de roulement, comme on est sur un train de roulement complètement fermé sur les côtés... Elle est belle à ton avis la pièce, la boîte, elle est belle? Ouais, c'est une boîte magnifique. Le détail, alors on ne représente pas la suspension, les ressorts hélicoïdaux verticaux, mais bon, on a quand même tout le détail des roues du train de roulement, ces fameuses roues, qui sont issus du B1 bis en fait. Hein. On reprend le train de roulement du B1 bis. Donc là, il y a tous les détails, le lot de bord, on a tous les accessoires. Un petit sachet pour la cordelette vinyle pour représenter le câble de remorquage. Petit accessoire classique. Alors, pour ceux qui sont perfectionnistes, ça peut se remplacer en utilisant du fil de cuivre, des brins de fil de cuivre qu'on torsade au moyen d'une perceuse pour représenter un fil un peu plus lourd, qui a un peu plus réaliste, on va dire. Mais là, on a déjà quelque chose de très sympathique. On a un plan que j'ai déjà eu l'opportunité de parcourir, qui est très sympathique, qui est très détaillé. Il n'y a pas de problème au niveau du plan. Et alors, il y a quelque chose de très sympa aussi à la fin, c'est au niveau des planches de décoration signées MIG, hein, avec les références MIG. On a deux planches de décoration qui sont proposées. Alors, ce sont des uchronies, attendu que là, on a un char avec une cocarde tricolore bien visible, le nom sarrasin et un soldat représenté sur le côté, avec ce qui semble être un anneau de victoire sur le canon. Bon, là, typiquement, on est plus sur une uchronie, on est plus sur une représentation d'un véhicule, comme on dit, what if, si le véhicule avait été mis en service. Voilà. Et là, on est aussi sur un véhicule, là encore, dans un schéma de camouflage où, s'il avait été en service, en 44 avec un schéma de camouflage. Il est quand même intéressant de constater un certain lien de parenté, si on oublie le train de roulement, un léger lien de parenté avec le Panther. Par contre, ce qui est important de rappeler, c'est que dans la pochette de décalque, vous trouvez également des immatriculations et le nom général de l'Estrin. Et ça, c'est un matériel qui a défilé lors du 14 juillet. C'est un véhicule qu'on peut trouver sur Internet, qui a vraiment existé. Donc, vous pouvez faire soit partir sur des schémas de peinture type Uchronie. Et si la guerre s'était poursuivie et si on avait produit ces chars en plus grosse quantité pour les mettre en service, qu'est-ce que ça aurait donné? Également, les fanas. Alors, à titre d'information, les fanas d'un certain jeu vidéo en ligne, World of Tanks, on va le citer, les fanas de ce genre de jeu et qui peuvent jouer ce char se feront peut-être un plaisir de représenter leur char favori dans leur livret à eux, dans leur couleur à eux. Et pour ceux qui sont fans de manga, citons l'apparition du char ARL-44 dans une des saisons de la série Girls on Panzer, qui fait une apparition assez fracassante. Voilà. Et par contre, si vous voulez représenter le véhicule dans sa livrée originelle en service, c'est celle-là, c'est celle illustrée sur la boîte. Donc voilà, pour avoir des précisions sur ce char de manière à optimiser la réalisation du modèle, je vous invite à consulter, alors vous avez le site Maquetland et également le site charfrançais.net, qui est une référence aussi pour tout ce qui est matériel français et qui communique beaucoup d'informations sur ce matériel avec force, photos et détails. Voilà. Écoutez, vraiment, c'est un modèle très sympa, très original, qui sort des sentiers battus et qui, même
offre des perspectives sur des représentations de type fictionnel. Voilà. Et écoutez, moi ce que je vous invite, si ça vous a plu, vous précipitez chez Col 21, puis vous demandez à Danilo. Merci, merci. Alors, on rinnova l'invitation pour le 26, Vincent, que c'est très, très important. Ouais. On va rinnover l'invitation pour le 26. Alors, à partir de 10h, comme ça, la matin, on fait un peu de café ensemble. Et au cas où, et à 10h, il part la prima démo. Après, il va voir une pause à midi et on reprend la démo l'après-midi jusqu'à 19h. Et après, voilà, on va fêter l'inauguration de cet en fait, atelier, un nouveau atelier. Alors après. Et, profite aussi, donc il y aura deux ateliers de démo, donc un le matin, un l'après-midi, donc n'hésitez pas. Vous êtes figuriniste amateur, vous êtes dans la région, vous êtes de passage, profitez-en, arrêtez-vous. Venez voir à l'œuvre donc Philippe Gingembre et Richard Poisson. Voilà, donc n'hésitez pas, venez. Également, je rappelle aussi un point important sur ce magasin, regardez où on est. On a un très bel atelier, il y a deux cabines de peinture, il y a une cabine photo. En permanence, il y a une vidéo qui, il y a des vidéos qui tournent avec des tutos. Oui. Donc, avec un smart télé, donc voilà. On peut changer en temps réel les vidéos. Voilà. Et donc, c'est très intéressant parce que si vous avez des créneaux horaires un peu compliqués, que le week-end, vous n'avez pas forcément le temps d'être membre d'une association, n'hésitez pas. Ici, vous avez un local qui vous attend où vous pouvez maqueter. Vous avez. Si vous avez besoin d'acquérir des peintures, de la colle, Danilo a tout ce qu'il faut à disposition. Il y a de la littérature, vous voulez vous perfectionner, il y a également de la littérature sur des techniques de vieillissement, sur des techniques de patine, de figurines, pour faire les dioramas. Donc, c'est vraiment. Il y a la terrasse. Oui, tout à fait. Et, il y a la terrasse très agréable pour faire une petite pause à café, la cigarette, tout ça. En dehors, donc il y a tout. Il manque qu'à venir et travailler. Exactement, pour ceux d'entre vous. Si vous avez déjà des maquettes qui sont déjà commencées ou des figurines qui sont déjà commencées, vous venez là, les terminer, il n'y a aucun souci. Après, il y a des matériels, de l'école, de la peinture à disposition, donc on a tout ce qu'il faut. Après, n'hésitez pas également, je pense, parce que c'est parfois mon cas personnellement. Si à la maison vous n'avez pas votre atelier dédié et que certaines forces supérieures vous empêchent d'occuper un peu trop d'espace pour votre passion, rien ne vous empêche, venez chez Col 21, vous vous posez chez Col 21, vous vous consacrez 2-3 heures, vous venez, les tables sont libres, vous vous installez, vous maquettez, vous peignez, vous faites. Je n'ai pas envie de dire ce que vous voulez, mais oui. L'idée c'est un peu ça. Convivial. Exactement. Si vous voulez venir, en plus, si vous êtes, mettons, sur une journée de RTT, par exemple, vous voulez passer la journée, vous pouvez même manger ici. Donc, vraiment. Oui, il y a le micro-ondes, il y a le frigo, il y a exactement. Tout. Exactement. Ouais. Donc, Danilo Magali vous souhaite la bienvenue. Donc, vraiment, profitez-en parce que c'est quand même unique. OK. Alors, rendez-vous, Vincent, le 26. Rendez-vous le 26 à 10h. OK. Et le soir, concert live avec JP Dana de Béziers, donc la grande fête. Et en plus, Vincent, on a obligé de dire une chose très importante, on n'a plus le couple-fou le samedi prochain. Donc, on n'est plus embêté de rentrer à 23h à la maison et tout vrai, ça. Donc, ça c'est très important parce que au début, on était tutto vite fare, vite fait, cominciare di buon'ora. No, là on est tranquille, on peut approfitter dell'été, del soleil, della chaleur pour après rentrer doucement à la maison. Il y a beaucoup d'hôtels, donc chi arrive da dehors, il peut réserver, comme on a déjà fait avec plusieurs. On est à 60 mètres, donc c'est
un bon pot de bière fraîche en plus, on peut aller à pied à l'hôtel qui est juste derrière. Oui, parce que vous savez, on a réservé une machine de bière à la pression pour avoir de la bière très, 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 très fraîche tout le temps. Donc, l'hôtel est juste à côté. Pas de conduire avec l'alcool dans le corps. On est là pour s'amuser et pour stare ensemble. OK? Parfait. Rendez-vous. Rendez-vous donc le 26 juin prochain, de 10h à. Je sais pas quand. Ben, on vous dit juste, on sait quand ça démarre. C'est le 26 à 10h. Après, pour la suite, ben, ça dépend de vous. Vous prenez pas du rendez-vous pour le dimanche, Voilà, exactement. va? Exactement, exactement. Donc venez nombreux et faites-vous plaisir. Merci. À bientôt. Ciao, 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 ciao. Arrivederci.